Bonjour tout le monde, c'est Immortal71 Camille. Je vous souhaite à tous une très bonne année, tous mes vœux pour 2018. Que du bonheur, une bonne santé, etc. Voilà. Et donc, c'est donc ma première vidéo de l'année. Et donc, je comptais faire aujourd'hui un petit bilan de l'année 2017 au niveau achat et échange de jeux vidéo. J'espère ne rien oublier. Il se peut que vous remarquiez que j'ai déjà parlé peut-être de quelques titres, sûrement d'autres que je vais oublier. Mais bon, là, en attendant, le plus important pour moi, je commence par un joli lot Sega, précisément sur Saturne, donc des versions japonaises. Donc voilà, les versions japonaises sont assez stylées. Petit boîtier au format audio, j'aime beaucoup, avec la spin guard sur le côté, hein. Donc c'est une étiquette qui est donc pliée et qui est rangée comme ça sur la tranche du jeu. Voilà, donc on a des fois, on peut très bien avoir d'autres documentations telles que ce genre de papier. Voilà, des fois on a des pubs en plus, des flyers. Donc là, on va commencer par Thunder Force 5 de Special Pack, qui est assez rare à trouver aujourd'hui. Cette version, j'ai déjà la version normale du Thunder Force 5. Là, il s'agit donc de la version double, avec le disque du jeu. Hop. Et le CD audio. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Donc bien sûr, je vous cache pas que l'ensemble est comme neuf. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je vais refermer cette partie-là. Remettre la spin card à l'intérieur. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc un très bon shoot 'em up, bien sûr, que je conseille. D'ailleurs, si vous n'avez jamais connu les Thunder Force, je vous suggère de commencer éventuellement par ce sorti sur Mega Drive, qui était très bon également. Space Invaders. Donc on ne présente plus le fameux Space Invaders. Donc voilà, Saturn. Donc par contre, je vais pas m'amuser à vous présenter chaque style de jeu, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai pu acquérir. Donc là, on a, alors je sais plus le nom parce que c'est écrit en japonais, mais je sais qu'il existe en version PAL. Je crois que c'est Eberekes Popoito, un nom comme ça. Donc sorti également en version PAL, US, je sais pas, mais sûr en version PAL. Je crois que d'ailleurs c'est sur un fond. Je sais plus. En tout cas, la jaquette est différente. On retrouve les petits personnages, mais la jaquette est différente. On a Daisaemon 2. Pareil, je sais pas si je prononce bien. Donc, pour les puristes, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que j'ai aussi? Dead or Alive. Dans un joli fourreau cartonné. Et donc, le jeu dans son boîtier. CD audio, très belle typographie d'ailleurs en passant. Donc voilà, on va mettre ça de côté et on rangera après. Si d'ailleurs, je peux quand même montrer la notice qui était rangée dans le fourreau carton. On va retourner sur les shoot'em up. Avec Gradius Deluxe Pack. Donc Gradius, hein, une série de shmup cultes, sensationnels, quoi. Personnellement, j'adore. J'essaie de. Au jour d'aujourd'hui, de tous les avoir, je trouve que c'est un peu compliqué. Mais j'essaie d'en avoir un maximum parce que j'aime beaucoup cette série, tout comme les Thunder Force. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Tetris S, voilà, pas besoin de présenter Tetris. Peu importe la version, ça reste quand même globalement un Tetris.
Dark Savior, que j'ai également dans sa version PAL. Un excellent jeu. Un excellent jeu, je crois que c'est un. Bon, je vais pas trop m'attarder non plus, mais je crois que c'est un excellent RPG de mémoire. C'est un très très bon jeu que je conseille. Après, si vous avez l'occasion de vous le trouver en PAL, ben, n'hésitez pas, hein, ce sera pas plus mal. Donc moi du coup il était dans le lot, je l'ai repris. Ensuite on a Fatal Fury 3. Donc Fatal Fury 3 que j'ai déjà. Donc du coup en japonais c'est Garou Densetsu 3. Road to Victory, il me semble que c'est ça. Je regarde de plus près. Road to the Final Victory. Une petite erreur. Donc que j'ai sur Neo Geo AES. Et du coup, bah, histoire de voir un peu les différences, voir si le portage Saturne est bon. Mais globalement, les portages Neo Geo sur Saturne sont relativement excellents, donc je me fais pas trop de soucis. Ensuite, on continue avec les Versus Fighting, donc avec Street Fighter Collection. Donc il y a deux disques. Le premier avec Chun-Li en typographie. Assez joli. Voilà. Et là, on retrouve Ryu. Donc deux disques. Pareil, documentation complète. Avec une très belle notice. On va ranger tout ça. Donc c'est pareil, Street Fighter, je ne présente pas, c'est pas la peine. Je pense que quand même, énormément de gens connaissent. Ensuite, Street Fighter 0, 2. Donc voilà, c'est pareil, c'est très très bon Street Fighter. Donc voilà, que je conseille vraiment. Et en plus, c'est des titres qui sont relativement pas chers. Enfin, même par exemple, des portages Neo Geo comme Fatal Fury, ils sont quand même pas chers, quand même. Globalement, ça reste. Ça reste très abordable. Ils ont d'ailleurs, je crois, sorti principalement en version japonaise, à part certains. Donc ensuite, on a Biohazard. Donc le premier Resident Evil. Hein. Donc dans sa version japonaise, pareil. Et surtout pour la collection. Donc là maintenant, on va passer à d'autres jeux sur un autre support. Voilà, je vous dis à tout de suite. Heureux. Donc là, on va continuer avec des jeux de chez Sony. Donc là, en l'occurrence, donc là, je suis devant ma bibliothèque. Donc j'ai eu aussi l'an dernier Nioh, que je pense pas qu'on voit très très bien. Donc Nioh, hein, qui est dans la lignée de la série des Souls, hein, c'est le genre de jeu relativement difficile, mais tellement prenant, avec un univers vraiment, comment je peux dire, fort sympathique, hein, mais bon, je vais pas vous le présenter, c'est pas le but ici. Bloodborne, édition jeu de l'année. Donc pareil, donc là par contre, eux, c'est pas, bah, c'est les mêmes développeurs que les Souls. Sniper Elite 4. Excellent, excellent jeu de tireur d'élite que je conseille. Franchement, je crois que c'est ma licence de jeu de sniper préféré. Franchement, moi j'aime beaucoup. Donc après, il y a Zombie Army Trilogy, donc qui est vraiment excellent, qui à la base était, je crois, si je dis pas trop de bêtises, à la base sorti donc en 3 épisodes sur PC. Peut-être bien sorti sur console aussi, mais bon, bref, moi je finalement c'est cette ce portage comme ça sorti sur Xbox One et PS4, c'est la seule version que je connais. Donc Zombie Army Trilogy, donc reprend donc la trilogie des nazis zombies. Donc voilà, c'est une excellente trilogie, hein, que vous avez donc pu voir une partie du let's play. J'ai pas encore tout montré, il me manque je crois 5 ou 6 vidéos à montrer. Mais j'ai fait les trois quarts du let's play de tout le jeu avec
Donc avec Dark Demes et Cus Templari, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les Kingsguns, donc bon, je vais pas vous présenter quand même brièvement parce que c'est quand même un jeu qui devient à la fois assez rare et surtout assez méconnu du grand public et je trouve ça vraiment dommage. Donc, les Kingsguns, c'est un jeu d'infiltration, si vous voulez, dans le même esprit qu'un Hitman, mais c'est quand même moins abouti qu'un Hitman, je trouve. C'est moins abouti, c'est. Les mécaniques de gameplay sont beaucoup moins souples qu'un Hitman, moins recherchées, mais et puis techniquement aussi quand même un peu à l'ouest. Mais voilà, les King's Gun en fait, c'est une licence qui est assez, qui est géniale en fait quoi. Si vous voulez, ça fait partie de quelque part, c'est la suite spirituelle quelque part. Le jeu devait s'appeler Death to Spies 3. C'est la suite spirituelle des Death to Spies sortis sur PC. Voilà, uniquement sur PC d'ailleurs. Et donc, qui sont vraiment des jeux d'infiltration pure et dure. On n'a pas le droit à l'erreur. Excusez-moi, je tremble avec la caméra. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est le genre de jeu d'infiltration qui est extraordinaire. Et c'est vraiment du pur infiltration. Vraiment génial. Bah voilà, que je conseille tout simplement. Donc, le. Alekin's Gun est un petit peu moins bien que ses prédécesseurs, mais reste globalement fort sympathique. Voilà. Mortal Kombat XL. Voilà, c'est un Mortal Kombat, quoi. C'est plutôt sympa. Plutôt sympa, donc après. Avec l'ajout de Jason Voorhees et puis de. Et puis de d'autres personnages tels que Alien. Donc après, j'en profite parce que je suis devant hein, sur Xbox One Dishonored 2 et La mort de l'Outsider. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Et donc, bah voilà, et Dishonored, je veux dire, moi j'ai été assez fan du premier, le 2 est tout aussi excellent. Donc voilà, c'est des jeux que je conseille. Donc là, petite parenthèse sur Xbox, hein, voilà, comme ça c'est fait, je reviendrai pas dessus. Donc ensuite. On continue. On continue. Là, je reviens. Je fais un petit retour dans le passé en montrant Soul River 2 sur PS2. Donc voilà, que j'ai eu d'occasion à un très faible prix. D'ailleurs, c'est un jeu qui commence à être un peu coté, mais finalement, il y avait des soldes dans l'endroit où j'ai été, dans un magasin d'occasion, quoi. Je vais pas dire le nom, hein, parce que c'est pas mon genre de faire de la publicité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh, où est-ce que je vais le mettre, tu es? Ça. D'ailleurs, voilà. Ensuite. Oui, parce que, mon Dieu. Je suis papa, donc il y a quand même des fois des petites choses, des petits jouets par-ci par-là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a sur PS3, donc le premier Nier, qui était tout bonnement exceptionnel comme jeu. Donc voilà, un action RPG que je conseille de faire, hein, qui est bien sûr totalement différent de Nier Automata sorti par la suite. Ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est un univers tout aussi bon et tout, mais c'est vraiment, c'est plus particulier, quoi. Je sais pas comment, je vais pas vous le présenter, mais c'est, en tout cas, c'est vraiment un excellent jeu. Hunted, donc plutôt pas mal. Je sais plus si je l'avais déjà montré, si c'est possible que je l'ai déjà montré. J'avais eu l'occasion l'année dernière. Donc plutôt pas mal, un beat'em up. Avec des phases de magie, des trucs comme ça, on peut switcher, je crois, entre deux persos, il me semble. Enfin, il y a longtemps que j'y ai pas joué. Ça, je dis même pas le nom. Je dis même pas le nom parce que j'en ai pas envie, parce que c'est une catastrophe et puis que je pense qu'il va m'aider à caler un meuble. Si un jour j'ai que ça à foutre, je ferai peut-être une capture dessus. Pareil quand j'aurai un boîtier d'acquisition, parce que c'est vrai que pour l'instant je peux faire de belles captures vidéo sur Xbox et sur PS4, mais bon,
J'ai toujours pas le matériel pour faire sur les autres consoles. Donc voilà. Donc ouais, voilà. À bon entendeur, hein, si quelqu'un a éventuellement un boîtier d'acquisition qui se sert plus à me proposer éventuellement gratuitement, je sais pas, voilà, c'est de l'occasion, ça me suffira. Voilà, c'est un boîtier d'occasion, un boîtier d'acquisition pour PC, bien entendu, parce que franchement, parce que j'aimerais bien faire des vidéos d'anciennes consoles, mais bon, j'ai pas encore trop le matériel, même pas du tout, même. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va continuer là du coup sur les jeux PS4, donc la Motor Racer 4 qui se fait intituler du coup MR4, donc le quatrième de la licence, hein, donc là dans une petite édition de luxe avec un boîtier steelbook fort sympathique, vraiment très très stylé, très très beau. Donc voilà, un jeu de moto arcade, rien à voir avec les Road Rush, hein, c'est totalement différent. Là on a de la course... de la course à la fois en motocross et sur asphalte, c'est vraiment de la course pure et dure, même si dans cet opus on peut quand même pousser son adversaire, ce qui est plutôt sympa. On peut faire de pas mal de sauts stylés, tout ça. Le jeu est vraiment fun, il est vraiment vraiment typé arcade. C'est voilà, le pour moi, c'est vraiment le retour de Motor Racer en force. C'est un très bon titre à découvrir. Moi, je l'aime beaucoup personnellement et je regrette pas du tout son achat. Donc, il est sorti également sur Xbox One. Voilà. Alors, ensuite, je sais plus si j'ai déjà montré Super Meat Boy, un petit jeu sympa à l'esprit très old school. Donc voilà, que je conseille. N'hésitez pas à regarder des vidéos, je ne vais pas vous présenter parce qu'il y a encore beaucoup de jeux à montrer. Alors ensuite, Berserk, Band of the Hawk, donc un beat'em up par les développeurs des Dynasty Warriors. Donc voilà, pour ceux qui aiment Berserk et puis en même temps les Dynasty Warriors, je veux dire, voilà, c'est que du pur bonheur, c'est super stylé, l'univers est vraiment fidèle au manga et à l'anime. C'est vraiment... enfin voilà, moi perso, j'adore et... Non, franchement, c'est excellent, un excellent défouloir. Destiny la collection, donc le premier Destiny, avec ses extensions... Voilà, donc en fait, en réalité, c'est plus le disque de la version standard, et puis ils vous rajoutent, bien entendu, vu que c'est la mode depuis quelques années, plusieurs années même, ils vous rajoutent, bien sûr, juste un papier ou deux, je sais plus, avec des codes pour télécharger les extensions, hein, voilà. Donc c'est même pas nécessaire d'avoir fait une jaquette, la collection, voilà. GTA V, voilà, GTA V, pas besoin de le présenter, on sait ce que c'est. Uncharted 4, pareil, pas besoin de présenter, je l'ai quasiment fini, plutôt bon. Uncharted The Lost Legacy, donc un standalone, donc sorti après le 4, je l'ai toujours pas fait par contre, voilà. Technomancer, un action RPG, bon, je l'ai trouvé franchement, mais pour rien quoi. Je passais dans grande surface, puis d'un seul coup je le bats dans un bac. Je sais plus combien, mais seulement quelques euros. Ouais, je me suis dit, tiens, allez. Ouais, c'est... Il est souvent en promo, d'ailleurs, sur... j'ai remarqué sur le Xbox Live... PS4 aussi. Ouais, en dématérialisé, quoi. Moi, je préfère les versions boîte, donc... je l'ai eu même encore moins cher que ce qu'on peut l'avoir en promo sur le live. Dragon's Dogma, Dark Horizon, donc le remaster... remaster du jeu qui était sorti à l'époque sur 360 et PS3. Donc voilà, un très très bon action RPG, vraiment excellent, excellent. Donc voilà. Donc le truc qui est sympa, je suis assez content parce qu'en fait, dès que j'ai lancé le jeu, j'ai pu y jouer tout de suite. Voilà. Absolument rien à installer. C'est l'avantage de certains anciens jeux. Où tout est vraiment inclus sur le disque. Donc ça fait quand même...
Plaisir. Bon, je dis pas, hein. J'ai eu quand même depuis, en plusieurs mois, j'ai eu une petite mise à jour. Voilà, donc peut-être une correction de bug, hein, j'en sais rien du tout. Cat Quest, un petit RPG tout mignon, tout kawaii. Je vous ai montré d'ailleurs, je crois, un premier avis. C'était sur la démo, je crois, à l'époque, hein, ça remonte à peut-être 2 mois, je sais plus. Donc après, voilà, je ne sais pas si je ferai un test définitif du jeu complet. En tout cas, j'en suis déjà à plusieurs heures de jeu. Il est plutôt sympathique. Il se laisse bien parcourir. Il est, voilà, il est donc. Je pense qu'on peut les mettre, on peut le mettre entre les mains de n'importe qui. Il est vraiment très abordable. Il est très sympa. Très très sympa. Vendredi 13. Voilà, vendredi 13. Donc sympa que j'avais pris. Parce que j'aime bien aussi ces films d'horreur. Mais le problème, c'est que. Bah voilà, si je compare par exemple un Killing Floor 2, oh, c'est pas comparable. Ce sont deux jeux différents. Mais. Sur le principe du jeu en multi, Killing Floor 2, on peut jouer hors ligne. On peut jouer contre les bots hors ligne. Là, on peut pas, si vous voulez. Obligatoirement, c'est forcément un vrai joueur qui va incarner Jason et de vrais joueurs qui vont incarner les moniteurs. Bon. Mais ils auraient pu trouver un système pour qu'on puisse incarner soit les monos, soit Jason, pour être contre des IA de temps en temps, quoi. Histoire de dire, ah bah tiens, j'ai pas le temps de chercher une partie avec de vrais joueurs, je vais me faire une partie contre l'IA. Non, ils l'ont pas fait. Et ça, c'est vraiment un truc que je regrette dans le jeu, c'est pour moi un gros défaut de ce type de jeu d'aujourd'hui. Mais bon, hormis ça, même si le jeu, techniquement, il est pas à la pointe de la technologie, il est quand même. Graphiquement, ça se regarde quand même, hein. Franchement, j'ai vu plus moche que ça. Et oui, il est quand même sympa. La preuve, en parlant de jeu plus moche. PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, que j'ai sur Xbox One S. Honnêtement, je me demande si Vendredi 13 n'est pas plus beau. Hein? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Enfin, voilà, PUBG, non, j'en parlerai peut-être, ou pas. Mais il est très bien, PUBG. Non, franchement, il est très bien comme jeu. Le seul problème, c'est qu'il y a trop de crash, de bugs, voilà, mais je reparlerai plus tard. Voilà. Destiny 2, donc en version normale, j'ai fait l'histoire solo, plutôt voilà, agréable à parcourir, mais je reviendrai pas sur le solo en tout cas. Le boss de fin est même très facile à battre, ça m'a un peu déçu, mais après il est beaucoup plus scénarisé, scripté, enfin scripté, plus scénarisé avec de plus belle mise en scène que dans le premier, donc c'est appréciable, c'est sympa. Ouais, non, c'est sympa, mais Destiny, c'est une très belle série, c'est franchement, c'est des très très bons jeux, mais comme ils sont trop trop orientés multi, j'ai tendance à m'en lasser. Voilà, moi j'aime bien personnellement les Destiny, mais c'est vrai qu'à jouer tout seul. Les raids, des machins, enfin en même temps, les raids, non, on peut pas jouer tout seul. Mais on peut pas. Mais je veux dire, bon, voilà, après, on peut faire des petits trucs, on peut faire des petits événements publics tout seul. Je veux dire, bon, on peut faire des petites choses tout seul. Mais voilà, hormis des missions en solo, je veux dire. Puis en plus, avoir une connexion internet, c'est obligatoire. Pour jouer au solo, je trouve ça inadmissible. Mais bon, ça, après, voilà, c'est ce qu'on reproche à beaucoup de jeux aujourd'hui, hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un Destiny, c'est très très bien, mais il faut vraiment être sûr d'avoir des copains qui vont y jouer, parce que sinon vous allez être vite limité, vous allez faire le solo et puis basta quoi. Donc voilà. Tukiden Kiwami. Donc un jeu bien bien typé japonais, donc très très sympa, bah, que je recommande aussi. Hein, voilà, donc c'est un beat'em up. Je vais pas le présenter plus que ça. D'ailleurs, le 2 qui est encore sous cellophane, tiens, le voilà. Je n'ai pas encore déballé. Et pas encore déballé, mais bon, c'est ni plus ni moins la suite, hein, je crois. Donc voilà, Tukiden 2. Ghost Recon Wildlands, donc que j'ai pu faire à la fois en solo et en coopération avec Dark Demz. Donc ça c'est bien, c'est sympa, on peut jouer je crois jusqu'à 4 en coopération.
Donc ça, c'est plutôt sympa, plutôt sympa. Il y a le PVP qui est sorti depuis quelques temps, mais qui m'intéresse pas. Parce que c'est vrai que le PVP, mis à part PUBG, PVP ne m'intéresse absolument pas en règle générale. Donc voilà, c'est un excellent jeu à faire en solo ou à plusieurs. Donc voilà. J'ai déjà vu, je me souviens, des bugs de connexion qui me remettaient en hors ligne. Mais ça m'empêchait pas de continuer à jouer tout seul. Donc voilà, ça c'est un bon point. Un très bon point, ça. Voilà. Battlefield 4, j'ai dû déjà le montrer. Pff, voilà. Enfin, je l'ai pas terminé parce que je m'en suis lassé. J'aime bien les FPS de ce genre-là, mais bon, tiens, allez, hop, je vais même le ranger. Voilà, il est bien, mais. Non, mais il est bien, mais je sais pas, il m'a vite lassé, quoi. Rock Trooper Redux, le remaster de Rock Trooper sorti à l'époque sur PS2. En quoi là, un TPS futuriste plutôt sympa. Plutôt sympa, le remaster est plutôt pas mal, quoique bon, c'est vrai qu'ils ont amélioré quand même les graphismes, mais ça reste un petit peu. On est très très loin d'être à la hauteur de ce qui se fait aujourd'hui. Donc après, voilà, je vais pas critiquer. Mais le remaster est quand même convaincant sur pas mal de points. Mais après, décevant sur d'autres choses, quoi. Parce que finalement, pour la jouabilité, finalement, elle reste très très. C'est totalement identique à la première version, quoi. Ils n'ont pas retravaillé certaines choses. Mais bon, c'est un jeu sympa. C'est un jeu sympa à faire. Ensuite, Dragon Quest Heroes, donc le premier du nom, Crépuscule de l'Arbre du Monde, édition Day One, donc un petit cadeau d'une amie. Voilà, je te salue d'ailleurs et je te remercie pour ce cadeau. Donc un très très bon jeu par les développeurs des Dynasty Warriors. Donc voilà, donc un excellent jeu que je conseille. Un petit peu de neuf, Raiden 5 en version Director's Cut. Donc voilà, donc ce jeu, à l'occasion je la déballerai en vidéo avec Blue Raider, donc le collector. Il y a un CD audio à l'intérieur, donc plutôt sympathique. Voilà. Home France Révolution. Bon, sympa, mais bon, pareil, je m'en suis lassé. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Mais c'est un bon jeu, l'univers est sympa, mais bon, je sais pas, je sais pas, je me suis un petit peu de lassitude. Là, Deus Ex Mankind Divided édition Day One. Donc là, bah du coup, je l'ai pas déballé parce que bon, je l'avais eu pour. Pour rien, je crois que j'avais dû le payer peut-être 5 euros, je sais plus combien. C'est plus du tout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ben, là, ce mois-ci, mois de janvier 2018, il est gratuit sur le. Avec l'abonnement PlayStation Plus. Donc, du coup, ben, ça vaut même pas le coup pour moi de le déballer. Donc, soit je le garde, soit je vais le revendre, je vais bien voir. Voilà. Donc maintenant j'ai fait un petit peu le tour de chez Sony. Donc on va retourner un petit peu sur Xbox. Donc pour terminer cette vidéo, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc là rapidement on a. Mais excusez-moi, peut-être que c'est vrai qu'aujourd'hui il fait plutôt sombre. Donc la vidéo va vous paraître un peu sombre. Donc je suis quand même désolé. Édition Legacy Pro de Call of Duty Infinite Warfare avec le remaster du Modern Warfare qui est plutôt sympa. Donc on retrouve la campagne et 10 cartes multijoueurs. Donc voilà, dans un très très beau boîtier Steelbook. Très très joli. Vraiment très très joli. Donc voilà, d'ailleurs c'est un Call of que je trouve fort sympathique dans son univers futuriste. Beaucoup de gens n'ont pas aimé. Mais moi perso, moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, Reckoning, les royaumes d'Amalur, que j'ai aussi sur PS3 sous blister. Du coup j'ai trouvé vraiment pour une bouchée de pain, je crois même que j'ai eu gratuit, je crois, dans un lot.
Donc voilà, imaginez par les célèbres Todd McFarlane, Ken, pardon, Ken Rolston et R. Salvatore. Je les connais pas ces deux derniers. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un action RPG très très réussi, très agréable à jouer, un univers vraiment génial. Vraiment génial. Vraiment que je conseille à tous. Voilà, j'en dis pas plus, je vais pas le présenter, mais il est vraiment excellent comme jeu. Vraiment excellent. Ghost Recon Future Soldier, que j'avais eu neuf pour peut-être 5 euros, je crois. Donc voilà, avec l'édition signature, c'est-à-dire il y a quoi? Il doit y avoir un peu. Je sais plus, une arme, un costume, un truc en plus, je sais plus ce qu'il y a exactement. Je sais plus ce qu'il y a. Mais en tout cas, un très très bon Future Soldier, un très très bon Ghost Recon, pardon. Donc c'était l'opus sorti juste avant Wildlands. J'aurais presque tendance à préférer Future Soldier en fait, bizarrement. Sur le principe du drone, par exemple, et des capacités des Ghosts qui sont déjà totalement débloquées, alors que dans Ghost Recon, je veux dire, ton drone au début peut pas faire grand-chose, et ça, je trouve ça complètement nul. Mais bon, ça après, c'est le système de jeu qui veut ça aussi, ce qui n'empêche pas que Wildlands est excellent. Hein. Bon, Ghost Recon Future Soldier, que je conseille pour ceux qui ne l'ont pas fait. Call of Duty World at War, plutôt sympa, bon, un peu court, mais sympa. Mercenaries 2, plutôt moyen. Les missions sont quand même sympas, mais bon, je trouve quand même plutôt moyen. Un RPG qui malheureusement techniquement est un peu à l'ouest, mais sinon ça reste un bon RPG, Two World. Voilà. LX, que je vous ai montré le collector il n'y a pas longtemps. Donc voilà le boîtier que j'ai sorti du collector. Assassin's Creed Origins, hein, bien sûr, le dernier Assassin's Creed qui est plutôt sympa, vraiment sympa. J'ai fait les premières quêtes et c'est un jeu qui est plutôt bon. Édition spéciale de Skyrim, Elder Scrolls 5 sur Xbox One. Donc voilà. Donc voilà, il n'y a plus besoin de présenter Skyrim. Hein. Road Rage, hein. Une espèce de reboot dans un open world de la série des Road Rage. Vraiment, on ressent bien tout le fun des jeux d'arcade de l'époque et tout. C'est vraiment fidèle à la série d'époque, c'est vraiment excellent. Bon, techniquement, assez moyen, mais franchement, il apporte tellement de fun, il est agréable à jouer, donc moi je vous le conseille. Et en plus, les musiques, elles sont géniales. Sublister Divinity Original Sin et Enhanced Edition. Donc ça, plutôt un RPG plutôt sympa, mais bon, je ne le connais pas encore. Wolfenstein 2, The New Colossus. Donc voilà, moi je suis en train de terminer en ce moment The New Order, justement, le précédent opus. Donc je ferai Wolfenstein 2 qu'après. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré beaucoup beaucoup de jeux depuis tout à l'heure. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop trop longue pour vous. Mais malheureusement, j'avais besoin de faire une vidéo assez longue. Donc là on va se quitter. Je vais maintenant. La vidéo va se terminer sur deux trailers. Sur deux trailers de jeux que j'attends. Hein, et je vous ferai une vidéo plus tard au cours de ce mois pour vous parler de mes attentes en jeux vidéo de 2018. Donc voilà, on termine sur deux trailers de jeux. Donc je vais faire la précommande bientôt. Et bah voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Immortal71 Camille, retrouvez-moi sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr et je vous dis à bientôt, pensez à regarder les trailers, allez, ciao. Peggy 16. Henry! Get up now. There's work to be done. Wait, what's this? You've been at that sword play again, haven't you? What got into you, Hal? You and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. Someone has to bring order and reunite the empire! That's for Sigismund! Woohoo! What the fuck do you think you're doing? We're just doing what we have to do! Us hunts!
and make those smiles off your faces! Look me in the eye, Henry. If you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Henry, help us! Help us, son. Don't be a coward. If Sigismund attacks, they can't hold. We have to prepare for the worst. You spend all your days drinking and chasing witches. What kind of fool are you, boy? You have courage, but you need training, arms, a horse. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. Put it all behind you. I never want to forget this. The time has come for those horse sons to pay for what they did to us. Move. Move, sir. They're coming. There's no time. Thank you.
PlayStation.